الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala, on va aborder un hadith parmi les hadiths de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est très riche en leçons. D'après Abu Uthman al-Nahdi, Hanzala al-Usaydi, qui comptait parmi les scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui faisait partie des compagnons qui écrivaient la révélation. C'était un scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon a dit, je rencontrai Abu Bakr qui me demanda, comment vas-tu, Hanzala? Et Hanzala de lui répondre, Hanzala est devenu hypocrite. Je ne sais pas si vous réalisez. Le compagnon Hanzala dit à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il lui dit, Hanzala est devenu hypocrite. En fait, il a cru qu'il était devenu hypocrite. Vous allez comprendre par la suite. Et là, Abu Bakr lui dit, Subhanallah, gloire à Allah, que dis-tu? Et Hanzala lui explique, il lui dit, quand nous nous trouvons auprès du messager d'Allah, il nous incite à penser au paradis et à l'enfer comme si nous les voyons de nos propres yeux. Il dit à Abu Bakr, quand on est en compagnie du prophète, il nous rappelle le paradis et l'enfer et c'est comme si on les voyait de nos yeux. Et ça montre l'éloquence de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, mais dès que nous sortons de chez lui, voilà que nous en sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires, nous oublions ainsi beaucoup. Allahu Akbar. Le souci de ce compagnon Hanzala, écoute attentivement s'il vous plaît. Le souci de ce compagnon, c'est que quand il est auprès du prophète sallam, sa foi est très forte. Il entend des rappels qui sont très éloquents. Le prophète sallam, il leur parle du paradis et de l'enfer et c'est comme si qu'il les voyait. Et quand il retourne chez lui, et qu'il est auprès de sa femme, de ses enfants, il oublie beaucoup de ce qu'il a entendu auprès du prophète sallam. Il n'est plus dans le même état spirituel. Et comme sa foi n'est pas au même niveau qu'elle ne l'était chez le prophète sallam, il a estimé qu'il est devenu hypocrite. Et donc, ce compagnon est soucieux. Il est soucieux de sa foi, cette foi qui a été abandonnée par je ne sais combien de musulmans et combien de musulmanes, cette foi qui n'est plus entretenue. Combien de musulmans aujourd'hui, combien de musulmanes se soucient d'entretenir leur foi, de l'augmenter, de se rapprocher d'Allah, de devenir des meilleurs adorateurs, des meilleures adoratrices. Subhanallah, son souci est de garder sa foi toujours élevée. Il a jugé que du fait que sa foi n'était pas la même lorsqu'il rentre chez lui qu'il est devenu hypocrite. Hélas, on a des gens qui ne se soucient plus de l'entretien de leur foi. Ils en sont arrivés à un stade terrible. Vous savez c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui ils ont pris l'habitude de faire les péchés. Ça ne leur fait plus rien du tout de commettre des péchés, des désobéissances. Ça ne les touche même pas. Il y en a, vous le savez, quand il faut des péchés, ça leur fait mal au cœur. Il se bat avec lui-même pour essayer de rester droit. Et il sait qu'au fond de lui, c'est un mal. Il y en a, ils ne le savent même plus. Ou ils ne veulent pas le savoir. Allah tabaraka ta'ala dit, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Quiconque s'écarte de mon rappel, tu t'écartes de la religion, tu t'écartes du Coran, Allah il dit, il mènera certes une vie pleine de gêne. Ta vie va être dure. Dur loin d'Allah. Comment tu peux prendre ce chemin de l'égarement et t'en satisfaire? Le chemin du haram, il n'est pas satisfaisant. Tu vas peut-être apprécier le moment, à l'instant T, quand tu as fait le haram, mais derrière, les conséquences vont te suivre. Les conséquences du haram sont douloureuses. Et de l'autre côté, Allah tabaraka ta'ala, il nous dit, quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes œuvres, tout en étant croyant, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيْبًا. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà la solution pour avoir une bonne vie.
c'est d'être croyant, d'avoir la foi. Et que cette foi te pousse à faire des bonnes actions, te pousse vers al-a'mal al-saliha, de faire des bonnes œuvres et t'écarter du haram. Donc, le compagnon Hamdallah, il décrit sa situation à Abu Bakr. Il lui explique que lorsqu'il est chez le prophète, il atteint un niveau spirituel qu'il n'arrive pas à maintenir quand il rentre chez lui. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, par Allah, nous ressentons tous deux la même chose. Allahu Akbar. Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, il a dit, si on mettait la foi d'Abu Bakr sur le plateau d'une balance et la foi de toute la Ummah sur l'autre plateau de la balance, c'est la foi d'Abu Bakr qui l'emporterait. Abu Bakr, il ressent la même chose. Puis, nous partîmes, Abu Bakr et moi, jusqu'à ce que nous entrions chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est très fort dans le hadith, c'est que Hamdallah et Abu Bakr, ils ne se sont pas limités à un constat. Là, aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, je traverse une grosse crise spirituelle, ma foi, elle va mal. Mais est-ce que tu fais le nécessaire pour changer, pour être quelqu'un de meilleur, pour corriger le tir? Là, on va voir que Hamdallah et Abu Bakr, ils vont aller se plaindre de cette situation auprès du prophète. Ils cherchent des solutions. Ils veulent évoluer. Ils veulent être toujours meilleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête à des constats? Tu connais très bien les péchés que tu fais jusqu'à maintenant. Est-ce que tu demandes des conseils? Est-ce que tu cherches à apprendre la religion? Vas-tu voir des gens de science pour te plaindre de ta situation? Ici, il va voir le prophète, il lui dit, ô messager d'Allah, Hamdallah est devenu hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi? Hamdallah lui dit, quand nous sommes chez toi, tu nous incites à penser à l'enfer et au paradis comme si nous les voyons de nos propres yeux. Et dès que nous sortons de chez toi, voilà que nous sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires, nous oublions ainsi beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez rester dans l'état où vous vous trouvez chez moi et dans l'évocation continue d'Allah, les anges vous serreraient les mains sur vos lits et quand vous marchez dans la rue. Le prophète il jure par Allah que si ils arrivent à maintenir le même niveau de foi, les anges vont venir leur serrer la main sur les routes et sur leurs lits. Mais, oh Hamdallah, dit le prophète, un moment pour l'au-delà et un moment pour les choses de ce bas monde. Et il répéta cela trois fois et le hadith il est rapporté par l'imam muslim. Dans ce hadith-là, il y a énormément de leçons. La première des leçons, c'est ce diagnostic qu'a fait Hamdallah de lui-même. C'est cette mise au point, le fait de faire un bilan avec son âme. Qui parmi nous fait ça? Qui parmi nous se pose et dit, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à éliminer ça comme péché. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à éliminer ça comme mauvaise habitude. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à faire telle obligation. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à m'efforcer à faire plus d'œuvres surrogatoires. Qui fait le point avec lui-même? On voit ici dans ce hadith que le réflexe des compagnons, c'est de chercher des solutions à leurs problèmes. Et on y voit aussi l'importance de recharger sa foi. Et moi, je vous pose une question. Et chacun d'entre nous doit se répondre sincèrement à cette question. Est-ce que c'est vraiment un souci majeur dans ta vie de recharger ta foi? Probablement, il y en a plein, ils vont dire, bien sûr, parfait. Comment tu fais pour recharger ta foi? Est-ce que tu te donnes les moyens? Si oui, comment? Passe au scanner ta semaine, tes 24 heures, et réponds à cette question, que fais-tu pour augmenter ta foi? Certains vont me dire, mon frère, moi je fais la prière même à l'heure. Parfait, cette prière, est-ce qu'elle est qualitative? Est-ce que cette prière, tanha anil fahsha'i wal munkar? Est-ce que cette prière, elle empêche son auteur de tomber dans les turpitudes et du blâmable? Ou il finit la prière, il sort de la mosquée, il allume une cigarette? Il finit la prière, il sort de la mosquée, il dit des gros mots. Effectivement, on fait des adorations. Est-ce qu'elles sont qualitatives? Est-ce que le cœur participe à ces adorations ou c'est que des gestes mécaniques? Ton téléphone, appel, il est à 30-40%, il faut que je lui mette le chargeur. Et ton cœur, quand est-ce que tu lui mets le chargeur? Quand est-ce que tu écoutes le Coran, tu le médites, tu l'apprends? Quand est-ce que tu te rapproches du livre d'Allah? Quand? Quand? Ramadan? Et après on se pose des questions, pourquoi la Ummah est éprouvée? Mais regardez notre relation avec Allah, comment elle est?
Aussi parmi les leçons, il y a, et ça c'est une grande leçon, le fait de craindre l'hypocrisie. Hamdallah, il a eu peur de tomber dans l'hypocrisie. Et il n'était pas le seul. Et Hamdallah, il ne peut pas être hypocrite. C'est impossible. Parce qu'il fait partie des scribes du prophète. Il fait partie de ceux qui écrivaient la révélation à l'époque du prophète. Et il est impossible qu'Allah tabaraka ta'ala laisse un hypocrite écrire la révélation. Hamdallah, c'était un pieux. Il se remettait en question. Et Omar radiallahu anhu, il était comme Hamdallah. Il se jugeait hypocrite. Il est parti voir Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, qui avait la liste des hypocrites, pour lui demander est-ce que son nom figure dans cette liste. Omar qui a tellement pleuré qu'il avait deux traits noirs qui se sont tracés sur son visage, tellement il a pleuré par crainte d'Allah. Omar, celui dont le prophète a dit quand le diable il doit prendre un chemin, il en prend un autre. Omar, le prophète il a dit s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Omar, il va voir Hudhayfa et il lui dit est-ce que mon nom il est dans la liste des hypocrites. Et Ibn Abi Mulaika, rahimahullah, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son chapitre « La peur du croyant d'annuler ses œuvres sans qu'il ne s'en rende compte ». Ibn Abi Mulaika, il a dit « J'ai rencontré 30 compagnons du prophète, et tous avaient peur de l'hypocrisie pour leur propre personne ». Et Ibn Hajar, rahimahullah, il a cité leur nom dans « Fath al-Bari ». Il dit « Wa sahaba alladhina adrakahum Ibn Abi Mulaika min ajallihim » Parmi les 30 qu'Ibn Abi Mulaika a rencontrés, il y a Aïcha. Aïcha, elle avait peur d'être hypocrite. Aïcha, radiallahu anha, la pieuse qui a été innocentée de dessus des 7 cieux. Sa sœur également, Asma, comme le dit Ibn Hajar. Il y avait également Umm Salama. Il y a aussi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, hein, Abu Huraira, Uqba, Al-Misr ibn Makhrama. Vous imaginez tous ces noms. Il y avait également Ali ibn Abi Talib, Saad ibn Abi Waqqas. La liste, elle est longue. Eux tous, ils avaient peur pour eux d'être hypocrites. Et un vrai croyant pieux, c'est quelqu'un qui a peur pour lui de l'hypocrisie. Et quelqu'un qui se sent à l'abri de l'hypocrisie, c'est un mauvais signe. Par contre, quelqu'un qui ressent qu'il est hypocrite, qu'il a de l'hypocrisie en lui, ça c'est quoi? C'est un bon signe que c'est quelqu'un de pieux, que c'est quelqu'un de bien. Attention, on parle de quoi ici? On parle de nifaq, amali, pas i'tiqadi. On parle d'hypocrisie dans les actions et non dans la croyance. L'hypocrisie dans la croyance, c'est du kufr. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, en décrivant l'état des croyants et celui des hypocrites, il a dit, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne, il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Le croyant, il voit ses péchés comme s'il était assis en bas d'une montagne, il a peur que la montagne s'écroule sur lui. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez et il lui fait comme ceci, c'est-à-dire qu'il la repousse avec sa main, rapportée par le Bukhari. Le croyant, c'est quelqu'un qui a peur de ses péchés. L'hypocrite, il n'en a pas peur, il s'en fiche. Il a fait sortir une prière de son temps, et alors? J'ai pas prié à l'heure, et alors? Il s'est pas réveillé pour soubh, et alors? Il a pas sorti zakat depuis tant d'années, et après? Il a les moyens de payer le hajj, il y va pas, il s'en moque. C'est pas dans ses calculs. Il a pas encore fait le tour du monde pour faire des belles stories, faire baver ses potes. Le plus important pour lui, c'est quoi? C'est shahwat al-nafs, c'est sur ses passions. Donc on y va comme leçon. Le fait de se remettre en question, de faire très attention à quoi? À sa foi. Le croyant doit toujours faire attention à l'autosatisfaction. Il doit plutôt accuser sa propre âme, comme l'a fait Hamdallah et d'autres parmi les salafs. Aussi, parmi les leçons, il y a la certitude forte des compagnons sur le monde invisible, sur ce qui vient après la mort. Il suffisait que le prophète leur rappelle le paradis et l'enfer et c'est comme si qu'ils les voyaient de leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'iman bil ghaib. Ils ont la foi au monde de l'invisible. Et ça, c'est le cas du croyant. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Les croyants, les pieux, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils croient au monde de l'invisible. Nous, on croit au paradis, même si on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que le prophète sallam l'a vu
Cela est mentionné dans le Coran, c'est terminé pour nous, on y croit. Nous croyons donc au paradis et à l'enfer, nous croyons au jour du jugement, nous croyons au monde de l'invisible. Troisième grande leçon de ce hadith, c'est le danger des choses autorisées. Les choses autorisées, ça n'apporte ni péché, ni récompense. Mais al-mubahat, les choses autorisées, le fait de leur accorder beaucoup de temps, c'est autorisé d'être dans un centre commercial pour faire des achats. C'est autorisé d'être sur une application où tu peux acheter des choses, d'accord ? Des accessoires pour la maison. C'est permis. Le fait de trop s'adonner aux choses autorisées, ça diminue la foi, ça peut tuer ta foi. Et Allah tabaraka ta'ala, il nous a mis en garde contre l'insouciance. Allah ta'ala, il a dit: "Wa laqad dharana li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Allah dit azza wa jall: "Nous avons créé pour l'enfer la géhenne, nombre de djinn et d'hommes. La description de ces gens-là qui sont destinés à l'enfer. Ils ont un cœur mais ne comprennent pas. Des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Des cœurs non réceptifs au rappel, des yeux qui ne voient pas les signes d'Allah, des oreilles qui n'entendent pas les rappels d'Allah. Ensuite, Allah il dit quoi ? Ceux-là sont semblables au bétail. Ceux-là, ces insouciants, ils sont semblables aux animaux. Et Allah Ta'ala il dit, et ils sont même plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Les insouciants qui ont oublié l'au-delà, qui ont oublié la rencontre avec Allah, Allah il dit qu'ils sont plus égarés que les animaux. Vous savez pourquoi ? Au moins les animaux, eux, ils adorent Allah. Les animaux, ils glorifient Allah. Les animaux, ils se prosternent pour Allah comme dans Sourate Al-Hajj. Comprenez donc que les insouciants, Allah Ta'ala les décrit comme étant pires, plus égarés que les animaux. En fait, il faut que tu penses à une chose. Le péché que tu es en train de faire aujourd'hui et qui te fait kiffer, qui te fait plaisir, pense aux conséquences de ce péché. Pense-y, sur terre, tu risques gros. Et le jour du jugement, c'est pire si tu t'es pas repenti. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Allah Ta'ala, il peut t'envoyer l'ange de la mort pendant que tu es en train de faire ton péché. Toi qui penses être à l'abri du stratagème d'Allah. Toi qui penses que la mort, ce n'est pas pour maintenant. L'ange de la mort ne prévient pas. Il ne prévient pas. Et il lui a dit pour finir, et c'est la dernière leçon, un moment pour l'au-delà et un moment pour les choses de ce bas monde. Ce hadith-là, vraiment, il est vraiment magnifique. Vraiment. Ce hadith est sublime. Il nous montre que le musulman, c'est quelqu'un d'équilibré. Impossible. Tu peux tenir 24 heures dans les adorations. La nature humaine a besoin de repos. L'humain a besoin d'un moment de spirituel et un moment où il se repose, où il va faire des actes autorisés dans Dunya. Et c'est comme ça. L'humain, il est comme cela. Mais les adorations que tu vas faire, fais-les avec constance. Le hadith n'entend pas le sens falsifié par les gens qui visent à en faire un moyen de se livrer au péché. Parce qu'il y a des gens qui disent quoi ? Un moment. Le prophète Sam, il a dit un moment pour l'au-delà et un moment pour les choses de ce bas monde. Pour lui, c'est un moment pour les choses de l'au-delà et un moment, je fais du haram. Jamais le hadith, il a dit ça. Jamais. Et aucun de nos savants ne l'a expliqué comme cela. Personne parmi nos plus prédécesseurs l'a compris comme ça. Non. Le hadith n'entend pas le sens falsifié par les gens qui visent à en faire un moyen de se livrer au péché et aux actes détestables. Dès qu'on critique leur conduite, ils disent « un moment pour ton plaisir et un moment pour ta relation avec Allah. » Oui, tu as le droit de te faire plaisir, mais pas dans le haram. D'autres falsifient de surcroît le sens d'un autre hadith en disant « ta personne a sur toi un droit ». Effectivement, le prophète, il a dit « ta personne a sur toi un droit ». Mais ce droit doit rester dans le cadre légiféré d'Allah tabaraka ta'ala. Et le musulman, il est équilibré. Il a un temps pour les prières et un temps où il va rester avec sa femme et ses enfants. Et il va même jouer avec ses enfants. Il va discuter avec eux, il va se divertir avec eux dans le cadre licite. Il a un moment où il va faire du sport et un moment où il va lire le Coran, l'apprendre. Il a un moment où il va sortir ses enfants ou sa femme ou il va sortir avec ses amis sans désobéir à l'Allah. Et il a un moment où il va faire de l'humanitaire ou une action associative. Et c'est comme ça. L'islam nous appelle à être équilibré, à ne pas oublier l'essentiel qui est notre foi. Notre foi, car Allah Ta'ala dit yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ni les biens, le jour du jugement, ni les enfants, ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Le plus important, c'est que tu entretiennes ce joyau, ce diamant qu'il y a à l'intérieur de ton corps, qui est ton cœur, et que tu ne le laisses pas à l'abandon, comme le font malheureusement énormément de gens. Voilà donc, mes chers frères, mes chères sœurs, quelques leçons de ce magnifique hadith. Retenez
que le croyant, il doit toujours voir en lui des manquements, comme ça a été le cas de Hanzala. Retenez que les compagnons, ils s'estimaient hypocrites. Mais attention, hein, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Hacha wa kalla, ne vous prononcez jamais avec des paroles similaires sur les compagnons en disant qu'un tel était hypocrite. Jamais. Il n'y a que les ennemis de l'islam qui font cela. Nous, les compagnons, quand on parle d'eux, on dit radiallahu anhum. Et on se rapproche d'Allah par l'amour que l'on a pour eux. Également, parmi les leçons, retiens qu'ils avaient une grande certitude, hein, au paradis, à l'enfer et au monde de l'invisible. Parmi les grandes leçons, il y a le fait d'avoir un temps pour chaque chose et d'être quelqu'un d'équilibré. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Sallallahu subhanahu wa ta'ala in yanfa'ani bima qultu wa nanfa'akum bima sami'atum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma.